les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer. Je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît. C'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, faire la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Et quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence, tant de larmes et de souffrance? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait de par le monde faire la paix pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et des chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil. Les voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied en secret dans les cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté pour les enfants du monde entier. Pour les enfants du monde entier. Chanson préférée, hein? Oui. Je ne peux pas chanter après, maintenant. Non, pas aujourd'hui. Ça a changé votre vie de gagner ce concours? Oui, parce que j'ai fait un voyage dans l'Inde et ça m'a touché beaucoup. Ouais. Et après, pour la carrière, ça a fait une différence énorme? Pas mal. Pas encore. Mais ça va. Mais le français est toujours difficile sur scène aux Pays-Bas, n'est-ce pas? Seulement Ben Snijders, il y a encore quelques exemples de gens qui font très bien. Mais c'est ce que vous espérez également, je crois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et au piano, on a qui? Tom Dicker. Tom Dicker.